la chanteuse Vitéa va mieux. Au cours de ses vacances estivales, qui ne se sont pas passées comme prévu. L'interprète du tube à Fleur de Toi avait fait une énorme frayeur à ses nombreux fans. Ce lundi 16 août, Vitéa avait en effet révélé sur son compte Instagram avoir été admise aux urgences. C'est en story que celle qui avait connu un début de vacances très réussi à Saint-Tropez avait publié une première photo d'elle à l'hôpital. On pouvait la voir avec la jambe allongée sur un lit. Évidemment, il fallait que ça se termine aux urgences. Avait-elle simplement écrit en légende de cette photo. Une poche de glace se trouvait alors dessus. Une mauvaise nouvelle pour celle qui se trouvait en vacances en compagnie de ses deux enfants. Liam, 10 ans et d'Adam, 6 ans. En effet, la petite famille avait pris le large chez sa belle-sœur dans le sud de la France. Malheureusement, l'acolyte de Vitéa a été frappée par un accident comme elle le dévoila quelques heures après. La chanteuse qui avait été touchée par la Covid-19 avait alors confié avoir fait une très mauvaise chute. Résultat, son genou gauche avait encaissé tout le choc. On sera fixé très bientôt. J'espère que ce n'est pas trop grave. Prenez soin de vous, soyez prudent, avait-elle poursuivi. Fort heureusement sortie de l'hôpital, Vitéa va bien mieux. Ce jeudi 19 août, la jeune maman a dévoilé une courte vidéo dans sa story. On peut alors la voir marcher sans béquille. Premier jour sans béquille, commente-t-elle en légende de cette publication. Elle se trouve alors en mini-short et petites chaussures ouvertes pour célébrer ce grand jour avec ses abonnés. Les vacances peuvent reprendre. Ouf !